Donc, je pense que mon premier conseil, c'est de penser ou de réfléchir que la technologie, elle est évolutive et qu'il faut adapter la technologie pour ses besoins actuels, mais également ses besoins futurs et ne pas penser qu'on va investir aujourd'hui pour 10 ans. Donc, il faut en premier lieu commencer dès le début par des petits changements technologiques et adapter en fonction de l'activité. Aussi, il faut regarder quel type de clientèle et quel type d'activité nous exerçons. La technologie, elle est différente si on est plus dans les métiers de l'audit, du conseil ou de la comptabilité. Je pense qu'il ne faut pas rester seul et il y a beaucoup d'outils qui sont développés déjà. Vous devez déjà premièrement voir votre institut s'il a préparé un document qui explique comment développer une stratégie technologique. Il y a aussi certains documents qui sont développés par l'IFAC, par exemple. Le Practice Management Guide est un document qui explique comment développer une technologie informatique pour son cabinet. Et puis, il faut aussi réfléchir à adapter cette technologie à sa stratégie de développement du cabinet en lui-même et essayer d'utiliser les meilleures pratiques actuelles, parce que les meilleures pratiques actuelles vont peut-être pas durer pour plus que 3 ou 4 ans.